À 25 ans, Nadia Mourad a survécu aux persécutions djihadistes dans son pays, l'Irak. La jeune yézidi, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, a été reçue à l'Élysée par le président français. Après avoir été réduite à l'esclavage sexuel par le groupe État islamique, elle était parvenue à s'évader et est aujourd'hui ambassadrice de l'ONU. Elle se bat désormais pour rendre leur dignité aux victimes du trafic d'êtres humains. Avec le président Macron, nous avons parlé de la situation à Sinjar et de la reconstruction des régions yézidis. Le président m'a invité à participer au Forum pour la paix qui se déroulera à Paris le 11 novembre et au cours duquel la France annoncera son soutien à la reconstruction des zones yézidis. Au-delà de l'aide à la reconstruction, Emmanuel Macron s'est également engagé à accueillir en France une centaine de femmes yézidis avec leurs familles.